Donc, vous ne les trahissez pas. Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre. Super. Mais comment est-ce que vous appliquez... Super. Franchement, on peut s'arrêter à un moment non, là-dessus. Non, mais comment est-ce super, que vous appliquez votre programme? Alors, j'étais très content. Il y avait là 250 personnes dans un bar, trop petit pour en accueillir 250. Ça dégueulait sur les trottoirs, etc. Et puis, ça dégueulait, c'est une image, hein, pour dire que ça débordait. Hein. Moi, j'ai vite zappé sur la 6. Il y avait cauchemar en cuisine et j'ai regardé Joël qui était en train de louper la recette de la sauce au poivre. Non, je rigole. J'ai regardé le débat, mais comme beaucoup de gens, je me suis beaucoup ennuyé hier soir. Sur les questions économiques et sociales, j'ai commencé tout à l'heure. Sur les questions économiques et sociales, je vais pas faire, je vais pas faire mon Mélenchon. Regardez, je vais faire plaisir pour Jean Massier. Je vais dire, allez. Regardez, Macron-Le Pen, c'est pas la même nature. Macron-Le Pen, c'est pas la même nature. Vous voyez, je peux répéter plusieurs fois. Donc, non, je leur dis, si vous nous faites la leçon sur le thème, il faut tout faire démocratiquement pour empêcher l'extrême droite. S'il faut tout faire, vous-même, vous auriez pu faire quelque chose dès le premier tour. Peut-être vous que ces gens-là ont voté Emmanuel Macron. Ouais, ont peut-être, voté autre chose. Peut-être, ils ont eu tort.